Et tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité, Derrick. Et oui, Président, c'est une charmante artiste. Nous avons pris la peine d'envoyer, par le biais de l'équipe technique, une invitation spéciale. Et sur ce plateau ce dimanche, mesdames et messieurs, on vous a promis la crème de la crème en termes de contenu, de programme. Et Jumbo, vous devez avoir le tapis rouge, certainement, pour recevoir cette pépite. Regarde. Elle a une voix magnifique, un timbre vocal envoûtant. Mon avenir. Elle a une allure de star, une véritable plastique de rêve. Par ta magie, tu as pris pour ce elle a le talent, l'attitude et l'altitude nécessaires pour prétendre allègrement au titre de nouvelle vedette des musiques urbaines camerounaises. Elle, c'est Ivy Atia. Pour la vie, je le veux. Mon bébé, c'est mon vœu. Je le veux. Je veux te rendre heureux. Auteure, compositrice et interprète de génie, Ivy répond au nom de Atia Kwenda Ivana Mani à l'état civil. Amoureuse de la chanson depuis toute petite, elle a cru dur comme fer à son rêve d'évoluer professionnellement jusqu'au jour où il lui a été donné la possibilité de mettre en lumière son talent. Le public a touché du doigt son assurance sur les covers Allez Allez de Petit Beaux-Art. Voici venu le temps de réalité de la vie. Oh. J'ai grandi dans un quota difficile où j'ai pas connu du lait mais plutôt de la farine. Maman et Maud Benama de Bébé Manga. Ils sont dédiés, sont dédiés. Après ces deux bonnes impressions laissées aux mélomanes, Ivy Atia poursuit son bonhomme de chemin en participant au projet Ma Voix de février 2022. Me stopper, tu ne peux pas me ralentir. Il n'y a pas de hasard pour moi, je crois à la destinée. Les sorciers ne peuvent pas me viser, merci Dieu, je suis béni. Pour nourrir, j'ai transféré le rêve à la vie. J'ai choisi ma voix, ma voix. I thank you, Lord, for the gift, c'est ma vie. J'ai choisi ma voix. Puis Africa Win de juin 2022. Africa, mon Afrique, plus beau continent. Africa devrait guérir dans les savanes ancestrales. Tous deux endossés par son label RGC Company. Après de longs mois de travail, des nuits sans sommeil, Ivy Atia a pris le soin de mûrir son style, sa voix et sa plume. Avec la collaboration du beatmaker IVO, en juillet 2022, Ivy est enfin prête et propose la magnifique chanson d'amour « Je le veux ». Je te veux. I love you. Baby, je t'aime. Un succès musical à coup sûr que la jeune dame vient honorablement présenter au président de la République Jumbo. Bienvenue Ivy Atia. Je le veux, je te veux, mon bébé, c'est mon vœu. Je le veux, je veux te rendre heureux. Je veux que tu sois à moi. Je le veux. Je ne sais pas pourquoi ça commence, je vous parle à Terre du Jumbo, les belles histoires musicales. Et je sens que c'est une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire avec les mélomanes du Cameroun, avec Ivy Atia. Elle est sur notre plateau, c'est pas un hasard, c'est un dimanche aujourd'hui, c'est un jour du Seigneur. Elle est venue chercher votre bénédiction, je suis sûr vous serez nombreux à la lui accorder. Tellement le talent est évident et imposant qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'aimer.
Pas vrai, Derek? Bien sûr, Président, vous l'avez si bien dit, c'est la seule nation établie par Dieu, raison pour laquelle les exclusivités sont ici et nulle part ailleurs. Ivy est le talent que Jambo vous propose ce dimanche, un talent à adopter chez vous à toute heure, à tout moment, et surtout pour comprendre, pour mieux comprendre votre couple et votre partenaire. T'es prête, Leslie? I am so ready. Attention, voici Ivy Atia pour vous à la maison. Je lui tire la révérence. Amour, tu es celui à qui j'ai confié ma vie, mon avenir, mon devenir, je te le dis. Par ta magie, tu as pris possession de mon esprit, mon cœur à toi est tout acquis. Sans date de préavis, je t'aime pour la vie. Je le veux, je te veux, mon bébé, c'est mon feu. Je le veux, je veux te rendre heureux. Je veux que tu sois à moi. Je le veux, je le veux, je te veux, mon amour, c'est pas un jeu. Je le veux, je veux te rendre heureux. Tu es à moi et à jamais, amour. Je te veux. Tes talents, tes baisers, ta chaleur, ta douceur, c'est ça qui fait battre mon cœur. Quand je suis près de toi, bébé, je suis rempli de joie, je retrouve la foi. Amour, j'ai comme l'impression que le destin nous a rapprochés. Je te laisserai jamais tomber. Je suis à toi et à jamais. Je suis ta femme et toi mon homme. I love you, bébé, je t'aime. Je le veux, je te veux, mon bébé, c'est mon vœu. Je le veux, je veux te rendre heureux. Je veux que tu sois à moi. Je le veux, je le veux, je te veux, mon amour, c'est pas un jeu. Je le veux, je veux te rendre heureux. Tu es à moi et à jamais, amour. Je te veux. I love you, bébé, je t'aime. N'attendis-moi. Bienvenue, Ivy. Fantastique. Magnifique. Mon Dieu, la chanson finit trop vite. Elle était trop bonne, cette chanson, pour finir si vite, Ivy. Installe-toi, Ivy. Je salue d'abord ton côté naturel, ta belle peau d'ébène et ta coiffure, waouh, qui Black me rappelle vraiment l'Afrique authentique, qui me rappelle ma grand-mère lorsqu'elle était jeune. Franchement, merci de rendre hommage à tes racines et surtout de rester authentique. Bravo. Merci. Elle est authentique, Président, merci mais j'ai mal quelque part. Ouais. Pourquoi, Derek? Parce qu'elle va chanter comme ça pour un petit... Je ne veux pas dire salopard. Qui ne va pas comprendre la valeur de ses paroles et de cet engagement, il va s'amuser avec cette jeune voix. Cette... Oh non. La question, c'est à vous de savoir si Evie, are you in love? Is there anybody making your heart beat? Alors, elle veut savoir si tu es... Yeah. She's in love, wow. Evie,
La question, tu es si jeune ou alors tu paries si jeune, mais avec un talent de ouf, une voix tellement présente, tellement forte, qu'il est difficile de la coller à ton physique quand on te voit physiquement. Tu es tellement jeune, avec une voix aussi forte. À quel moment tu as commencé la musique? Professionnellement, à l'âge de 19 ans. À 19 ans? Ouais, mais je chante depuis... Depuis petite, quoi. Depuis petite. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. J'avais pour habitude de chanter les musiques. Et qu'est-ce qui t'a embarqué dans cette histoire, Evie? Tu as des parents qui chantaient, tu étais dans un quartier de musiciens. Non, personne ne chante chez moi. Il n'y avait pas de musiciens. Bon, comme je disais, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais encore très petite. Je ne sais pas si vous connaissez Africa Magic. Oui, Africa Magic. On avait pour habitude de montrer des films tristes qui faisaient pleurer avec des sons en fond. J'avais pour cadre, quand je regardais le film une à deux fois, je répétais le son et parfois mes proches disaient, mais les autres pleuraient même. Wow. Si tu penses à où ça sort d'où, c'est comme ça que j'ai grandi avec. Bon, c'est vrai qu'avant, je n'avais pas en tête de faire de ça une carrière. Une carrière. Avec le temps, c'est arrivé. Et... Donc, tu aimais bien les... On connaît les mots. Voilà. Et à quel moment on travaille sa voix pour avoir une telle, justement, texture et une telle force vocale derrière? Parce que ta voix est unique, elle est d'une chaleur incroyable. Ben oui, président. Il y a du tonus. Moi je crois que. Plus proche ton micro. Moi je crois que tout ça vient avec l'âge. Ah bon? Tout ça vient avec l'âge. Non, parce que quand j'étais... On n'a pas 45 ans, mais... Je n'ai pas 45 ans. C'est aussi beaucoup de travail. Talent, C'est aussi beaucoup de travail. Mais sinon, sans talent, vraiment, je pense pas que ça peut être possible. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter l'amour pour commencer? Parce que l'amour est l'essence de la vie. Ouais. L'amour, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans amour. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau, cela. Et tu as choisi une belle chanson d'amour qui s'adresse à une personne. Pourquoi tu as écrit cette chanson? Est-ce que c'est pas attaché à ta personne ou elle, c'est attaché à ta personne? C'est attaché à ma personne. Elle est tellement profonde. Président, je vais revenir pas à 100%. Elle est attachée à ma personne, mais pas encore. C'est pas encore. Je le veux vraiment. C'est attaché. Mais c'est déjà attaché. Mouillé, il n'y a pas mouillé. C'est déjà dans la sauce. C'est bon. On l'a dit en début d'émission, quand j'aurai l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a des gars qui promettent beaucoup de choses aux jeunes filles. Quand j'aurai l'argent, je vais t'amener ici, je vais t'amener par là. Mais quand l'argent arrive, finalement, rien ne se passe. Donc, décidément, les filles ont dit qu'aujourd'hui, on ne voit plus avec les gars. Donc, on disait que quand tu souffres avec un gars au départ, après, quand il va briller, ça sera ça. Mais on te voit chanter parce que tu y crois encore. Tu penses qu'il y a encore de l'espoir en amour. Alors, effectivement. Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents et comment est-ce qu'ils vivaient leur amour à la maison? Est-ce que ça a été une source d'inspiration pour toi? J'ai grandi avec mes deux parents. C'est vrai qu'à un certain âge, avant un certain temps, ça s'est un peu gâté, mais bon. J'ai grandi avec eux. Ce qui m'a beaucoup marqué avec mes parents, c'est que quand ils avaient des problèmes, nous les enfants n'étions jamais au courant. Nous étions jamais au courant. Oh. Oui. Je n'avais jamais vu mes parents se discuter jusqu'à peut-être l'âge de 15 ans. Wow. Et la fois où ils se sont discutés, c'est allé en caverne. Donc ils avaient l'habitude de faire des problèmes. Nous n'avait pas, on ne sait pas. Vous étiez loin. Et pour moi, c'est ça qu'on appelle de l'amour. D'accord. Ça va se supporter et tout. Voilà. Okay, Ivy. So what can we expect next from you? Is it more about love or you have more to show to the world? It's more about love. Okay. I'll continue in French. Yeah. Because in English, I'm just trying my best. But also, it's so good in English. Thank you. Bon, j'ai d'autres choses à proposer. Ce n'est pas seulement de l'amour que je propose. J'ai des sons dansants qui parlent de la fête, des sons qui parlent de Bakbato, des sons qui parlent de tout. Et même de Dieu aussi. Ouais. Oui, des sons qui sont de Dieu. Tu es sur tous les terrains. Je me balade un peu partout. D'accord. Voilà. Alors, tu es avec ton manager Alibaba. Alibaba, bienvenue. Bienvenue, président. Voilà, c'est une carrière naissante. Très prometteuse. Rarement, je me suis trompé sur ce plateau lorsque j'annonce un nouvel artiste. Je dis très rarement, je me suis presque jamais trompé sur le devenir d'un artiste. Nous avons été parmi les premières à recevoir Daphné. On a fait des projections qui sont confirmées.
Ouais. Pareil pour Kamini et tous les autres. Rinho. Rinho. Et ça s'est confirmé. Et je suis en train de parier pour ta carrière. Je suis sûr, elle sera énorme. Elle sera immense. Wow. Merci. Mmh. Merci. Et ça, sache que nous, on ne se trompe jamais. Ici, quand on le dit, ça se réalise. Alors, le manager, comment est-ce que vous êtes... Quelles sont les différentes plateformes sur lesquelles on peut retrouver l'artiste et comment acheter sa musique ou simplement écouter ses musiques sur la toile? Bon, déjà, merci Président Chow Chow. Evie est produit par RCG Company et la chanson est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. La chanson est disponible, le clip est disponible sur YouTube. Le clip qui a été réalisé par NS Pictures. Mmh. Donc, vous pouvez aller sur Boomplay, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer. Le son est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Voilà. Alors, Evie, ce n'est que ton premier passage. Parce que je sais qu'il y en aura d'autres sur Jumbo. Exactement. Alors, si tu avais des messages à passer à des personnes précises, qui sont ces personnes à qui tu m'as adressé un message particulier aujourd'hui. Voilà. Face à ta caméra, Evie. D'accord. Bon, je tiens à remercier ma maman d'abord déjà. Mm-hmm. Parce que sans elle, c'est clair que... Le nom. On veut le nom. Maman Angéline Kenney, voilà. Maman Angéline Kenney. Je tiens à la remercier parce que sans elle, vraiment, ça n'aurait pas pu se réaliser, en fait. Ouais, elle a cru en moi. Voilà, elle a cru en moi. Et c'était la seule. C'est pas facile d'avoir des parents qui croient aux c'était, enfants. C'était la seule. Ouais. C'était la seule. Voilà, je remercie aussi mon producteur que voici, parce que sans lui aussi, je vais l'avouer, je ne serais pas où je suis actuellement. Du premier, pour tous les projets que j'ai engagés professionnellement, c'était avec lui que ça a commencé. Bravo. Je remercie aussi ma famille, mes amis, mon petit garçon qui m'a apporté beaucoup de chance, parce que c'est après sa naissance que j'ai commencé à avoir... De l'inspiration. Wow. Beaucoup de chance en fait, des ouvertures. Et c'est même pendant la grossesse que j'ai signé mon contrat avec Alibaba, mon producteur que voici. Voilà. Waouh. Donc c'est magnifique. Voilà. Je remercie tout le monde. Il y a des enfants qui portent chance à leur maman. Exactement. Bravo. En tout cas, on sait que tu es une personne très humble et il faut rester comme ça. Il ne faut pas que le succès te change. Il ne faut pas que le succès change tes coiffures. Effectivement, président, si ici, quand tu vas venir servir des mèches brésiliennes, nous serons les premiers à t'attaquer. Ouais, président, on va débarquer ici que tu as perdu ce chocolat noir de teint que tu as. C'est un des bennes que nous aimons en toi. Bien sûr. On va t'attaquer. Hein. Oui, le président. Tu jures sur l'honneur que tu ne vas pas changer. Je jure sur l'honneur. Voilà, alors sur ce, on lance le clip tout de suite, mesdames et messieurs, pour vous. Voici la première vidéo, Je te veux. Si tu es amoureux et tu es timide, il te manque des paroles, ton vocabulaire est faible, tu n'as pas le verbe, copie les paroles de Evie Atia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Amour, tu es celui à qui j'ai confié ma vie, mon avenir.